Le 28 novembre dernier, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité suspendait les contrôles documentaires sur les différents axes routiers du Burkina. Une circulaire qui sème la confusion chez certains citoyens, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. Pour en savoir plus, une de nos équipes a rencontré le ministre délégué en charge de la sécurité. Le point avec Urbain Benito Sommé et Yan Kiteda. Il s'agit donc d'améliorer l'offre sécuritaire en mettant un accent sur une réponse efficace à la lutte contre le terrorisme. Et le deuxième élément, c'est l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. Voilà qui est clair. La circulaire ne fait aucune apologie d'une légèreté quelconque dans le contrôle documentaire ou ne fait aucune faveur aux sans-papiers. C'est une tactique, une stratégie nouvelle pour rendre rigoureux les contrôles sur les axes routiers du Burkina. Cette circulaire a été prise pour inviter les forces de l'ordre qui exercent les contrôles routiers à mettre désormais l'accent sur le contrôle sécuritaire. Et la circulaire définit clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Il s'agit d'abord de l'identité des usagers. Alors, le contrôle d'identité, ce n'est pas le contrôle d'ACNV. Le contrôle d'identité, c'est permettre à l'usager de justifier son identité par tous les moyens. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de mettre l'accent sur les fouilles des véhicules. Ce qui veut dire que nous sommes là à la recherche d'une menace liée à la sécurité. Mais je tiens aussi à souligner que, de par ce contrôle sécuritaire, cela peut découler sur un contrôle documentaire en cas de suspicion ou bien en cas de découverte d'un objet suspicieux. Mais concrètement, sur quoi le contrôle sécuritaire doit-il mettre l'accent? Ce que nous demandons, c'est qu'on mette l'accent sur les fouilles des véhicules, des bagages des usagers et évidemment, si cela doit conduire à la découverte d'éléments suspects, au contrôle documentaire, cela va conduire à un contrôle documentaire. La circulaire enjoint les agents de sécurité chargés d'exécuter cette mission d'avoir une autre posture. Parfois, il est constaté que sur les voies publiques, les véhicules arrivent, les usagers descendent des véhicules avec les documents afférents à la conduite ou à la circulation et vont vers les forces de l'ordre pour se faire contrôler. Nous pensons que cette mesure n'est pas efficace et n'est pas appropriée dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il n'est plus question que les forces de l'ordre restent à l'écart et se font rejoindre par les usagers de la route. Les forces de sécurité doivent dorénavant aller vers les usagers pour opérer le contrôle et non le contraire. Cette disposition permet également de lutter contre la corruption dans les rangs des FDS. Le fait que les forces de l'ordre se déportent sur la voie publique, contrôlent effectivement les véhicules à la recherche avec l'unique objectif de découvrir les éléments suspicieux qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale. Nous pensons que là, ils n'auront plus l'occasion, ni les usagers, qui parfois passent par ce contrôle documentaire pour glisser de l'argent aux forces de l'ordre, ou bien se mettre à l'écart pour ne pas être vu ou filmé par certains usagers. Nous pensons qu'avec cette mesure, toutes ces pratiques vont prendre fin. La circulaire ne donne pas une occasion aux propriétaires d'engins ou documents non à jour. À tout moment, la mesure peut être levée pour des contrôles inopinés, avertit le ministre délégué en charge de la sécurité.